Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la rubrique Profil Hebdo, yon condensé actualité semaine. N'a démarré avec marché change là pour nous faire connaître ton référence BRH là pour journée 21 octobre 2023 c'est 133 goud 16 14 pour 1 dollar américain. Ton moyen acquisition ça qui relait TMA pour journée 21 octobre 2023 d'après calcul Banque Centrale tabli à 133 goud 65 36 pour 1 dollar américain. Sous marché informel là pour journée 21 octobre 2023, dollar américain a négocié à 134 goud 75 à l'achat, d'après sa banque centrale fait connaître, et il y a 140 goud à la vente. En demakyo, dollar a négocié à l'achat à 132 goud 10,24 et à 133 goud 65,36 à la vente. En gade ensemble qui j'en s'atteye sous marché matière première. Prix baril pétrole avec index WTI a baissé à 1% pour fermer journée vendredi 20 octobre là à $88.31. Ministère commerce et industrie te réuni 10 directeurs départementaux à travers pays là dans un forum 2 jours li t'ap organisé dans ville au Cap pour l'instruire sur pi bon moyen yo doit mettre en place dans cadre sondage national là sur ti producteurs ze dans pays là. D'après ministère approche ça te parmi une série mesures qui pral prendre pour capable river supporter Choc frontière République Dominicaine à Haïti a qui fermé. D'après ça, nous te lis sous journal Le Nouveliste. Haïti t'est participé, sorti 17 pour arriver 19 octobre, dans sommet CARICOM Canada, qui t'est organisé dans l'idée pour aborder problèmes sous région Amérique là. Sommet ça a été réalisé en baptême, partenaire stratégique pour un avenir résilient. Bâti économie qui dirait pour tout le monde, qui veut dire économie inclusive et durable, augmenter commerce et investissement, encourager collaboration avec tous les partenaires étrangers, parler sur changement dans le climat, c'est quelques parmi les points Justin Trudeau et leader Caraïbes ont discuté. Organisation Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, exige l'État pays embrasser bon gens politiques sous l'eau et l'agriculture pour résoudre le problème de gangoua dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Côté 248 millions de monde a souffert de gangou, dans une façon grave ou soit pas trop grave. C'est sa responsable programme ESPAI FAO pour Amérique latine et Caraïbes, Luis Lobo, t'a expliqué. C'est là nous mettons un bout à Profil Hebdo pour semaine ça. Merci parce que t'as écouté. Rendez-vous cassé pour week-end prochain.